Ambroise, un match assez énorme de votre part. Il y a beaucoup d'investissement défensif et puis ce but assez incroyable. Ouais, c'est sûr que les efforts défensifs à la fin c'est récompensé. Je pense qu'on a été solide défensivement et après on a été récompensé par ce but. Voilà, donc on peut être content de retourner avec les 3 points. Vous avez l'impression que ça va vraiment vous lancer avec Montpellier ce but, personnellement? Personnellement, c'est pas moi me lancer, mais c'est de lancer l'équipe. On a pris 3 points, c'est positif, donc c'est pas un résultat personnel, c'est pas un but personnel, c'est pour l'équipe. Aujourd'hui, on a pris 3 points, on monte dans le classement, tout le monde est content. Il y a la trêve internationale, on va partir étant tranquille, travailler pour pouvoir revenir pour les prochains matchs. Est-ce que tu peux juste raconter ton but quand tu la vois arriver, juste qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ah, bien sûr que voilà, il faut rester. J'avais une seule intention, c'est de la frapper. Et voilà, je suis resté concentré sur la balle. Et voilà, heureusement, j'ai pu frapper à demi-volée et j'ai bien pris la balle. Et elle est rentrée au fond, donc je peux que c'est des gestes difficiles à réaliser, mais bon, quand ça arrive, voilà, on peut qu'être content. T'as pensé à Benjamin Pavard ou quoi? J'ai pensé à Ambroise Oyongo. Vous en parlez autour de vous de ce but qui allait arriver un jour? Bah oui, c'est sûr que voilà, quand tu joues au foot, tu arrives dans une équipe comme ça qui t'accueille bien, voilà, il faut penser à marquer, il faut penser à faire des passes. Et c'est que la quatrième journée, il y a encore beaucoup de matchs. Il faut rester concentré, bosser, pour pouvoir réaliser encore mieux que ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu reviens d'une longue blessure. Le coach en parlait tout à l'heure en conférence de presse. Est-ce que ce but, il est aussi symbolique de ta remontée ou de ta montée en puissance? Bah, bien sûr que voilà, moi, ça me rejoue parce que à une période de ma blessure, je me disais, voilà, bon, avec tout ce qui se disait autour, c'était pas facile que je revienne. Je fais 11 mois et demi, c'est pas facile.